La mécanique du livre, podcast consacré au milieu de l'édition. Extrait de l'interview de Benjamin Jean, juriste spécialisé dans les modèles ouverts. Je pense que le numérique change tous les secteurs de notre société, tous les pans de notre industrie. Le monde de l'édition en fait partie. Le numérique tend au modèle ouvert, qui a allé justement vers cette idée de puisque de par la nature numérique des choses, n'importe qui peut utiliser en même temps sans que ça nuise à l'usage qu'un autre voudra en faire, etc. Donc, il y a des caractéristiques intrinsèques au numérique qui font que très facilement, lorsque ça devient numérique, ça tend vers l'ouverture complète, qu'on le souhaite ou pas. Et donc l'enjeu, notamment pour les éditeurs, c'est de l'intégrer, je pense, plus vite possible, mais même malgré les difficultés, de l'intégrer à leur modèle économique. Alors, pour ce faire, je pense que ce n'est pas uniquement les éditeurs qui peuvent faire ce travail, il faut le faire notamment avec les auteurs. Donc, comprendre quel est le rôle que les éditeurs ont face aux œuvres qui sont publiées de manière numérique et ouverte. Parfois, on a perdu, notamment dans la version papier, parce qu'on faisait un amalgame entre éditeurs et puis imprimeurs. On a perdu justement cette compréhension de quel était le rôle des éditeurs dans la publication d'un ouvrage, d'un titre. Et là, je pense qu'avec le numérique, vu que le support, le livrable final sera complètement dématérialisé et ouvert, bah c'est tout le travail qui a été fait conjointement entre l'auteur et l'éditeur qui va être mis en avant. Et c'est ce nouveau contrat qu'il faut, contrat social entre guillemets, qu'il faut clarifier et sur la base duquel on peut, à mon avis, réfléchir à une bonne redistribution de la valeur.